Heureux qui craint le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Dessignons que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix sur toi de là où tu es. Paix à toi en ce dimanche. Paix dans ta famille, paix dans ton foyer. Paix dans tout ce que tu auras à toucher en ce jour. Certainement en train de te préparer pour aller à la messe, pour aller communier. Et dans cette démarche de foi encore à laquelle Dieu nous appelle, et il nous interpelle au travers de son évangile de ce jour, des différentes lectures et du psaume que nous venons de lire. Tout simplement pour te dire à toi qui m'écoute, Dieu veut te bénir en ce jour. Tu me demanderas certainement pourquoi spécialement ce jour. Rien de particulier, mais pour notre Seigneur, très particulier parce que tu es une créature à son image. Parce que tu es son bien-aimé. Et il a envie de te faire du bien tous les jours de ta vie. Et ma prière en ce matin est qu'au travers de cette communion, au travers de l'Eucharistie, que notre Seigneur encore vienne te faire du bien. Qu'il vienne te bénir au travers de son Eucharistie de ce jour. Qu'il vienne encore te visiter. Visiter tout ce qui est mort en toi. Tout ce qui t'empêche de véritablement communier, de véritablement être dans lui. Qu'il vienne te renouveler, qu'il vienne te fortifier. Et que par les mains de Maman Marie, qui va te présenter à l'autel, qui va te présenter au devant du trône de Dieu, et de cette même manière qu'elle présente ta vie, elle présente également tout ce qui est manquement en toi, de sorte à ce que son Fils bien-aimé vienne te remplir de tout ce qui lui plaira. Alors, la seule chose qu'il te demande, c'est d'être disposé et disponible à recevoir cela. Amen. Humilie-toi devant Dieu, il veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Simplement devant ton Dieu. Prosterne-toi devant ton Dieu. Ce n'est pas une quelconque personne, c'est ton Créateur, c'est ton Bienfaiteur, c'est ton Pourvoyeur. C'est celui-là qui se soucie de toi
tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque instant de ta vie, qui se soucie de toi parce qu'il ne veut pas te voir dans la souffrance. Et ce Dieu-là, en ce matin, désire tout simplement te bénir au travers de son éclaircie. Ce Dieu merveilleux veut tout simplement te faire du bien, te fortifier encore au travers de son éclaircie. Ce Dieu merveilleux veut tout simplement t'apporter la consolation dont tu as besoin. Ce Dieu veut tout simplement venir mettre la paix dans ton cœur, venir mettre de la joie, te remplir de sa personne, te remplir d'amour, de sorte à ce que tu sois débordant. Pas débordant de colère, pas débordant de négativité, mais débordant de bien, débordant de ses délices à lui, les délices qui viennent de sa maison, de son royaume, où tu es co-héritier. Ce Dieu-là veut tout simplement t'établir là où lui-même a choisi que tu sois. Alors ouvre-toi, libère ton cœur, libère tes pensées et expérimente encore à nouveau une intimité profonde avec ce Dieu. Et en cette nouvelle semaine, que Dieu te dévance, qui te dévance par son Saint-Esprit, qui bénisse tous les jours de cette semaine, les heures, les secondes de cette semaine, qui soit au devant de toutes choses pour toi et qu'il te donne véritablement de rentrer en possession de nouvelles opportunités que lui-même aura décidées pour toi et qu'il aura béni pour toi, de sorte à ce qu'il vienne t'apporter du bien, de sorte à ce qu'il vienne t'apporter tout ce dont tu as besoin. Que ce Dieu-là te dévance et que Maman Marie te couvre de son manteau virginal, qu'elle te rende invisible à tous ceux qui ne confessent pas le nom et la seigneurie de son Fils bien-aimé. Voilà les prières que je lève en ce matin, en unisson de cœur avec les anges et tous les saints. Humilie-toi devant Dieu, il veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu, il veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu, il veut te bénir. Alors c'est dans cette mouvance, dans cette joie que je te souhaite de passer une très très bonne journée dominicale, entourée de ta famille, des amis et de toutes ces personnes-là qui te sont chères. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée et semaine bénie à toi.